On va voir que la première chose qui soit pour qu'une chose existe, c'est une forme. Et puis ensuite, une fois qu'on a pris conscience un peu de sa forme, de ce qui fait notre particularité, on va entrer dans la dimension plus de la relation qu'on va établir avec l'environnement. Alors il y a une chose qui est très importante quand vous entrez dans l'énéagramme, c'est surtout pas de penser qu'on va enfermer des gens dans des profils, parce que vous allez découvrir en fait que à travers l'énéagramme, on va amener les gens à comprendre dans quelle loi, dans quelle logique sont-ils. Si on va maintenant sur le 2, l'essence même de ce profil est beaucoup plus orientée sur le lien. Eh bien, on va voir que la peur, pour le coup, c'est la peur du rejet, le fait de ne pas être aimé par les autres et donc d'être rejeté de l'autre. Donc vous voyez, on est dans un modèle qui n'a pas de fin et c'est ça que je trouve de passionnant dans cette dynamique de l'énéagramme.